Cher Pierre, est-ce que tu serais à même de me citer les invités de la télé d'ici de vendredi dernier? Nous étions le 11 juin. J'ai perdu, j'ai gagné. Je ne sais pas si avoir gagné suppose qu'on a la mémoire, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, la question, il faut se la citer. Cela, il ne pourra en rien t'aider. Tu as gagné, tu peux le faire. Et j'ai un coup de mémoire. Je suis avec toi. Je te soutiens, s'il te plaît. Vendredi dernier, on a gagné. Ça, tu l'avais déjà dit. Ah oui, attends, c'est 11. bon, j'ai. Vendredi 11. C'est bon, j'ai. Vas-y, oui. Un peu de force. Vendredi 11, ce n'était pas vendredi dernier, pour info. Hey, Seigneur Jésus. C'est une émission, hein. Non, attends, deux secondes. Moins de deux. 30 secondes. Il y en a... Faut pas appuyer, laisse. Moins de deux. C'était la fête des pères. Voilà. Mais arrête aussi. Je devais participer. Il y avait le monsieur qui est dans le clip de José où elle dit mon mari. Et il y avait. Mais tu es en train de le. Mais non, c'est ça. Ah, c'est mon petit. Il n'y a pas du son. Non. Ça fera donc 2 points moins. Vous tombez à 14. De mon côté ou partout? De partout. Moins 2 pour Pierre. De mon côté. Non, mais j'aurais pu commencer par là-bas. Le temps de me rappeler par ici. Donc, moins 2 pour Pierre, ce qui suppose moins 2 pour l'équipe. Voilà. Je parle bien de l'émission du 11. Tous les invités? Oui, absolument. C'était sur la question. Non, mais c'est bon, là. C'est fini. Mais c'est fini. Oh non, arrête. Le 11, les invités, c'est plutôt Bonaza, Alicia Kobena, Kiki Roxane. Ouais, vas-y, le 11. Ah, j'ai même pas écouté la date. Et Joël, l'humoriste. Non, mais c'est trop compliqué. Arrête, Joël. Deuxième question de ce one-to-one. Écoute ton coach, Pierre. Quel était le score final de la télé d'ici, de vendredi dernier? Le genre de score qu'on n'oublie pas. 0. Est-ce que c'était pas un 12 moins 2? Je ne sais pas, je me pose moi-même la question. Essayons ça, mais je pense que c'est pas ça. Mais je... Vous tombez donc à 12, ouais. Pierre qui aura fait perdre 4 points à son équipe. Oh là là. Les images, c'est dans ma chanson. Il fallait dire 12 pour Pierre. Et moins 1. Oh, j'étais à... Pour l'INSEE. Extinction de lumière sur Pierre, qui fait non pas un parcours, non, parcours avec faute. Et non, parcours sans faute. Et je me tourne vers Sly, qui nous démontrera si elle connaît bien sa vie ou pas. Sly, la chanteuse. Sly, tu as été coopté par Barthélemy Nabozouzoua. Est-ce que tu saurais me dire à quelle année ça remonte? 98. Sûr? Oui. Ce sera le dernier mot? Oui. C'est trop fort. Vous montez à 13. Deuxième question pour Sly. Le single « Femme » est sorti en quelle année? En... Baiser avant. 2015. Sûr? Sûr. Ce sera le dernier mot? Il fallait dire 2014. Oui. C'est pas grave, c'est déjà fini. Vous tombez à 11. Extinction de lumière sur Sly. Je me tourne vers Imilo. Je ne sais pas s'il sera chanceux sur le coup ou pas. Retenons juste Imilo. Imilo, quel est le titre de ton deuxième album? Imilo, ne nous fais pas ça, s'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Ne nous fais pas ça. Il suffit pas dans la vie de produire des albums, hein. Faut se souvenir aussi des titres. Ouais, ouais. Ah, le deuxième, 30 secondes. Le deuxième. Mm-hmm. Il peut pas. J'ai l'impression que les massages Sly compliquent les choses. Depuis qu'elle masse, ça marche pas. Faut peut-être arrêter aussi. Non, vas-y, ça va venir. Élévation. Ton album. Vous tombez à 9. Mais c'est comme ça. Demande-moi. Fallait dire Dieu est ma force. Bon, c'est une affaire de Dieu dans ce groupe. Dieu te voit, Dieu est ma force. Voilà, moi, vous voyez, Dieu vous voit, mais vous ne voyez pas Dieu. Emilo, il faut le mettre. Emilo, qui a décidé d'enfiler à nouveau ses lunettes de soleil sur le plateau de télé. En quelle année as-tu obtenu ton Koundé d'or? C'est plutôt easy, ça. En 2017. Sûr? Ouais, sûr. Sûr, certain? Sûr. Vous montez à 10 et ce sera tout. Je rappelle le score pour les matures à l'issue de ce premier tour du one-to-one. 10.
De 16, vous êtes tombé à 10. Ah. Comme quoi, dans la vie... Lui, avec sa mémoire, là. Il y a des hauts et des bas. Je me tournais vers Jimmy Danger. Oh, voilà, oui, voilà. T'inquiète même pas, t'inquiète pas. Jimmy Danger. Oui. C'est là que tu seras étonné. Hein? Il n'y a pas une réponse qu'on donne. Par exemple, Basie Thérèse, quand on dit la Bazaï, elle dit yo. Ça, c'est à l'époque quand elle chantait en hip-hop. Mm-hmm. Pour toi, il n'y a pas une réponse. Non, non. Jimmy Danger, ou oh, un truc. C'est un nous, il y a fort. Très bien. Bon, on verra s'il y a fort, ou bien s'il y a quelque chose. De nous, en quelle année as-tu produit, avec Dibio Cravat, le single Mapuka? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. T'as vu? Non, Jimmy. Attendez, de répondre. Oui. J'étais encore... Non. C'est l'année. Non, je suis en train de voir l'année. Ça doit être dedans, avant nous, c'est la réponse. Je ma fille, la première, elle avait encore 3 ans. Oh là là, réfléchis, wesh. 30 secondes. Mais il faut le faire. Après mon accident, non, mais voilà, là, quand j'ai... C'est pas ça. 2001. Ça sera ton dernier mot? 2000. Vous tombez à 12. Là, j'aime trop. Fallait ce dire jeu. 2000. C'est 2000. C'est ça. C'est j'aime ça, ça. Deuxième question. Avant l'incident. Oh là là. 2000. J'aime trop ce jeu. Deuxième question. Mais comme moi, je sais pas. Hein. Ouais, je sais pas. Quel est le comédien qui t'a le plus séduit et qui t'a pratiquement attiré vers ce métier? Là encore, c'est chaud. Voilà. C'est pas une invention de chèque ni de. Non. C'est moi-même qui ai dit ça. Non, attendez, je veux savoir. 45 secondes. Au théâtre ou bien au cinéma? 35 théâtre. Secondes. Au théâtre. Ouais. Au théâtre, c'est. Il y a un buzzer, hein. Au théâtre, c'est Diallo Tikoyi Vincent. Sûr? Je crois. Vous gagnez un point, vous montez à 13. Merci. Pour l'instant, 13, 10. Extinction de lumière sur M. Digbe. Jimmy Danger. Jimmy Danger. Oui, mais vous avez travaillé ensemble. Ouais, Mapuka et tout. Ouais. Mais tu n'as pas trouvé la bonne réponse. Mm-hmm. L'INSEE, ah, Notre-Dame de la Complainte. Non, j'ai choisi. Le soleil de minuit. Oui. Voilà. Confiance. Hein. L'INSEE, est-ce que tu saurais me dire le nom de l'équipe vainqueur de l'émission Ici, on s'en jaille du samedi 19 juin? C'était la semaine dernière. Moins de deux. Attendez. C'est ce qu'on fait, oui. C'était. C'était les. 40 secondes. Non, on est à 30 secondes. C'était les chips. Fallait dire Petit Cola. Ah ouais, bah non. Oh, j'adore. C'était Petit Cola et FC. Non, l'autre là, on veut pas savoir. FC Placalé. Petit Cola. C'est que vous tombez à 11. J'adore. Deuxième question. L'INSEE, samedi de la semaine dernière, c'est pas ça qui m'intéresse. Le samedi d'avant, dans Ici, on s'en jaille, qui étaient les invités? Oh non, mais chèque. Un mieux compatible pour toi. Oh non. Tiens pas nous, mais. Même pas en fait, tu sais que ça peut être. Bref, je vais me taire et je vais réfléchir. Secondes. Attends, je vais réfléchir. Donc, pas ce samedi-là, celui de la semaine d'avant. Mm-hmm. Non, on a commencé à perdre les. Il y avait. Dans ce plateau, s'il vous plaît. Il y avait. 30 secondes. Alors, il y avait. Attendez. Il y avait. Franchement, je vais dire au pif. 10 secondes. Joël? Non. Vous tombez à 9. Il y avait. J'adore ce jeu. Il fallait dire Brazing Girl. Oui. Ah ouais, team ça, de ah ouais, Magic Diesel. Non, c'est fini. C'est bon, je sais. Team de... Marie-José Néné, Awasanoko, oui. Magic Diesel, Awasanoko, Biggie, et voilà. Biggie, oh. J'adore ce Extinction jeu. De lumière sur le soleil de minuit. Et je fais un coup comme ça. Et je me tourne vers l'homme du Ténéré. Alors que j'ai. Ouf. El Bravador. Oui. El Bravador. La Bravadora. Oui, pour moi. Hein. C'est ça. Mais dis-vous de concentrer, c'est tout. Quel est ton leitmotiv dans la vie, cher Bravador? Leitmotiv, ça c'est en français. Hein. On a posé question, il faut répondre. Qui me motive? Ouais, ouais. Le,
ça, vraiment, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Les questions que je pose, là, ça émane de vous. Hein. Silence plateau, s'il vous plaît. Le destin, il est individuel pour le coup. Donc, tout ce que vous direz, les commentaires, ça ne changera absolument rien. Il y a une qui a massé ses compagnons tout à l'heure. Ça n'a pas donné quelque chose. Ce n'est pas parole là qui a fait quelque chose. On y va. Les secondes passent. Hein. 30 secondes. Souvent qu'on est là, on parle. Oh, 15 secondes. Évolution. Combien de lettres motives? Hey, on peut faire ça. C'est passé normal. Non, j'ai pas. Tu es tombé à 7. Non, j'ai cru que c'était 9. Fallait dire, on est né pour mourir, donc on doit profiter de la vie au maximum. Eh, hey, Seigneur. C'est-à-dire que les gars, même, ils font des déclarations et puis ils ne s'en souviennent pas. Bon, vraiment, ça, c'est compliqué. Non. Dernière question pour Monsieur Bravador. Quel est le nom de ta toute première page Facebook? Fais-nous monter, petit. Ils sont méchants. Hein? T'as oublié ça, là? Non, moi, c'était album. Merci. Silence plateau, s'il vous plaît. Je l'ai. Le Parlement. Wouh! Ouf! Score, s'il vous plaît. On retourne à la vie. 9, non, on est à 9. Et je rappelle le score. 10 pour les matures, 8 pour les immatures. Les immatures cherchent quoi dans le jeu des immatures? Et chape, 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 chape,